Bien, bonjour Daniel, j'ai eu la chance d'être tiré au sort pour participer à cette convention citoyenne de la fin de vie. Et ça a été une expérience très enrichissante, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Je dirais que sur la forme déjà, on a la chance d'être dans un cadre qui nous permet de travailler dans des conditions correctes et surtout d'être encadré par des professionnels qui ont su à la fois maîtriser les excès et faire parler tous ceux qui avaient envie de s'exprimer. Donc ça c'est déjà très très important, ne serait-ce que pour cet acte démocratique, n'est-ce pas ? Ensuite, il y a le fond bien sûr qui concerne tout un chacun. Et j'ai moi-même, n'étant pas concerné dans ma vie proche par cette fin de vie difficile, j'ai eu la chance de partager plein d'expériences et de notamment écouter à la fois les professionnels mais aussi les gens du peuple. J'avais mon propre avis en arrivant sur le sujet à la convention et ça n'a fait que conforter petit à petit cet avis et à lui apporter un cadre, je dirais, pour mes propositions que j'ai pu faire pour l'ensemble des citoyens. Donc j'espère qu'on aura la chance que cette convention servira à la fois pour la fin de vie de tous nos Français et aussi bien peut-être pour d'autres actes démocratiques sur d'autres sujets qui pourraient eux aussi être intéressants de soumettre à un certain nombre de gens du peuple comme nous pour voir l'avis des gens de terrain qui souvent n'est pas, à mon sens, pris assez en compte dans notre démocratie actuelle. Voilà. Et bien, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous souhaite à tous un jour de pouvoir participer à cette expérience.